C'est le deuxième jour de Ramadan, nous passons à Jatinangor. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue certains les aliments indonésiens. Bon régal! Avec de la glace et du sucre brun et du lait de coco. Les goûts sont sucrés et salés. Cendol est l'une des boissons préférées de l'Indonésie. Le deuxième est ketoprak. Ketoprak, c'est un plat végétarien du Jakarta, Indonésie. Il se compose de gâteau de riz, de vermicelle, de tofu avec une sauce à arachide. Essayons ça! Le goût est un peu sucré, mais il est un peu salé aussi. Non, merci. Oui. Le troisième est telur gulung. Telur gulung est un aliment à base de vermicelle, enveloppé dans des œufs et frit dans beaucoup de l'huile. On mange telur gulung avec de la sauce pour le rendre plus délicieux. Je pense que telur gulung est bon pour les collations. Le quatrième est sop buah. Sop buah est un dessert en Indonésie. Il se compose les fruits coupés avec des glaces et sucre. C'est vraiment bon. Le goût est vraiment sucré. Voilà, vous devez essayer cet aliment. C'est tout. Lequel pensez-vous est le meilleur? Commentez en bas. Au revoir.